C'est un mec qui se fait sauter sur un marché, qui tue femmes et enfants sans pitié. Pour un Palestinien, l'Israélien, c'est un soldat. Un soldat qui l'arrête au checkpoint, qui l'humilie, un soldat qui tire sur les ambulances, les civils. En réalité, c'est bien plus complexe que ça. Exactly. Gleich. L'idée, elle est simple, c'est de coller des portraits face to face, face à face, dans des formats gigantesques à des endroits inévitables du côté israélien et palestinien. En fait, on voulait pas tricher. En volant les images avec un téléobjectif, on a été à la rencontre des gens. On leur a parlé, on les a écoutés. Et après ça, ils se sont inscrits dans le projet en posant pour nous, en exprimant leur message. Avec un objectif 28 mm, on est à 10 cm de la personne. Tu sens son souffle. Yalla. Yalla. Okay. How do you manage in French without the word yalla? On a pris des gens qui faisaient le même métier des deux côtés. On a pris des coiffeurs, des acteurs, des professeurs, des musiciens. Et on les a choisis pour leur gueule. Bon, en gros, on rentre chez un coiffeur palestinien, on lui dit bonjour, on est français, on n'est pas anti-israélien, anti-palestinien, on est pour une paix réaliste. Et on veut te prendre, te mettre devant un mur, te shooter au 28 mm, et après, ta photo, on va la coller partout. En Israël, en Palestine, dans ta ville, sur le mur, partout. Et le plus dingue, c'est que le mec, il accepte. The Torah teaches that kol ben adam nivra b'tzelem Elohim. Every human being is created in the image of God. So if everyone has different faces that they give, those are also the faces of God. I see God's image in everyone. So if you see God's image in every person you look at, regardless what religion he is, when you love God and respect God, so you have to respect the person in front of you. Let us find a way to talk about our one God. Live together in union.